Eric, lui, voudrait savoir où en est l'aire de camping-car prévue, avenue Paulbert. Alors, les travaux sont prévus pour l'année 2019, puisque nous avons acquis un espace qui se situe le long de l'avenue Paulbert, dans la partie basse, qui est un espace en friche et qui pourra accueillir 9 emplacements pour des camping-caristes. Alors, pourquoi des camping-caristes? Tout simplement parce que c'est un public qui fréquente fortement Épernay, qui a des exigences en termes de confort, qui a aussi des capacités en termes de revenus, qui profite aujourd'hui dans bon nombre de villes d'espaces de qualité en la matière. Ce sont des gens qui viennent séjourner plusieurs jours, qui se mêlent à la population et qui participent pleinement aux activités touristiques. Et il nous faut évidemment faire en sorte qu'ils viennent séjourner à Épernay, qu'ils soient satisfaits de leur journée à Épernay. Il y a derrière du chiffre d'affaires pour la restauration, l'hébergement, donc ça nourrit le potentiel touristique de notre territoire et on se doit de les accueillir dignement, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait des emplacements qui se situaient rue Dom Pérignon et qui étaient sur d'anciens parkings, n'offrant pas les qualités de confort, ne permettant pas la vidange des véhicules. Donc tout ce qui sera fait avenue Paulbert offrira des conditions d'accueil bien plus favorables pour les touristes de passage.